De retour au Salon de Quilles Champion, eh bien, on vient d'assister au premier couronnement de la saison du côté des dames. La grande finale féminine qui a été remportée par Audrey Jutras, pointage de 182 à 163 face à Ginette Marcille. Et on va tout de suite procéder à la remise du trophée et de la bague. Trophée qui est présenté par Mario Gillard, président des Salons de Quilles Associés du Québec. Et on va lui remettre une bague également présentée par Danny Pauthier, représentant le Salon de Quilles Champion ici à Greenfield Park, qui accueille donc les derniers matchs de la finale 2009-2010. Donc, une première championne cette année, Audrey Jutras. Et au cours des prochaines semaines, on va évidemment couronner les champions dans les catégories super senior, senior et classe ouverte. Alors, on est prêt donc pour y aller avec notre troisième match de cette émission. Et on retrouve à nouveau dans la classe ouverte Jean-François Consigny, oui, notre champion en quête d'une cinquième victoire. Il pourrait être le seul à remporter cinq victoires cette année, Jean-François, qui possède un style très, très fluide, avec une très bonne glissade, une bonne extension. Les épaules sont de l'autre côté de la ligne quand il lance sa boule. C'est ce qu'il faut faire pour avoir, connaître le succès. Regardez l'extension, c'est excellent. Mario Desmarais Junior, que dire de plus de ce jeune homme? Quand la saison achève, vers la fin de la saison, il est toujours là. Il est toujours des grandes finales, il est toujours là vers la fin de la saison. Donc, faut croire que sa forme est au maximum à la fin de la saison. Il sera là dans deux semaines pour la finale de la classe ouverte. L'autre aspirant aujourd'hui, un autre quilleur de la région de Québec. Troisième présence à notre émission. Deux premières présences, deux très bons simples de 200, je crois un 216 et un 226. Malheureusement, la défaite dans chacun des deux cas. Peut-être aujourd'hui un 2-30 pourrait lui donner la victoire. On parle évidemment de Dave Duchesneau, qui joue au quai depuis 22 ans. Alors, le premier à s'exécuter, bien, ça va être Mario Desmarais Junior, qui a remporté sa qualification pour l'émission d'aujourd'hui par une seule quille sur Manon Miron dans la classe ouverte. Manon Miron, qu'on a vu là, en demi-finale féminine il y a la semaine dernière, en fait. Et Manon qui était venue tout près là, de se qualifier pour la classe ouverte. Et là, bien, dès le départ, c'est là-bas pour Mario Desmarais. Mario possède un lancer fluide, mais très, très, très efficace dans le triangle. Jean-François Consigny, bien, au cours de son séjour avec nous, vous avez vu les chiffres. Dans les trois dernières semaines, des simples de 180, 215 et 199. Donc, moyenne de 198, mais ça a été suffisant pour trois victoires au Salon de Quilles Champion. Il y avait également eu cette victoire là, lors de notre dernière émission effectuée au Salon de Quilles Grande Allée, où il avait réalisé un pointage de 179. Et là, bien, il amorce le match avec une trouée. Alors, c'est le dernier match de la saison dans cette classe ouverte, qui est la classe ouverte Belle Gueule, puisqu'à compter de la semaine prochaine, bien, on va y aller avec la première demi-finale là, des tournois réguliers du circuit 2009-2010. Et je ne sais pas si c'est comme à chaque saison. Je n'ai pas eu l'information, mais je crois que c'est la même chose. Le champion de la dernière émission... Ouais, revient. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, c'est l'enjeu aujourd'hui là, pour... celui qui va gagner ce match, d'amorcer la saison prochaine lors des matchs télévisés sur les ondes RDS comme champion en titre. Réserve récupérée par Dave Duchesneau. Pointage de 7 pour Jean-François Consigny. Donc, Mario Desmarais là, prend l'avance dès le départ dans ce match. Mario Desmarais qui réside à Saint-François-du-Lac. Et là-bas qui est inscrit, donc un deuxième. Et... lancé après lancé, sa boule est pratiquement toujours la même vitesse. C'est réellement remarquable de la part de Mario. Je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas plus souvent. On devrait le voir avec la qualité de lancer qu'il possède. On devrait le voir. Là, c'est mince pour Jean-François Consigny qui s'en tire bien avec un pointage de 9, la quille 5 qui refuse de céder. C'était pas mince, c'était très mince du côté gauche. Et ça en est bien tiré quand même. Le bris a été favorable pour lui. Le tir de Dave Duchesneau sur la ligne numéro 4. Et c'est solide là-bas qui est inscrit. Dans le cas de Mario Desmarais, s'affiche à la télévision 2 victoires, 5 défaites. Et là, bien, pour Jean-François Consigny, qui lui est un habitué, là, plus de 80 présences, maintenant 80 matchs devant les caméras de la télévision. Oui, ben... est en très bonne forme, Jean-François. On le voit à la ligne, là, c'est impeccable. Jamais son genou droit touche par terre. Très rarement. Très rarement. Ça prend de bonnes jambes pour être capable de s'exécuter de cette façon-là. Mario Desmarais en quête d'un troisième abat consécutif là, pour entreprendre ce match. Ça reste du côté droit et tiens, la quille 6 et 10, les quilles 6 et 10 qui demeurent en place. On l'a dit, c'est arrivé très souvent, particulièrement sur la ligne numéro 5. Oui. On a vu ses épaules qui sont arrivées un peu vers la droite.
son mouvement de bras, au lieu de terminer droit devant lui, a terminé un peu en ronde vers l'extérieur et ramené vers la quille. Hein. À ce moment-là, c'est dangereux de frapper très haut dans le triangle. C'est bon, ça. Tire de Jean-François qui traverse bien. Oh là! Croyait bien avoir la bas sur ce lancer, mais la quille 9 qui est demeurée debout. La réserve qui est ratée par Mario Desmarais, là, qui a récupéré la quille 10, mais a oublié la 6 au passage. Oui, et on est habitué avec les allées qui reviennent beaucoup vers le centre. Sur les et autres allées. Attention, là, Jean-François Consigny, qui n'était pas certain sur ce tir-là. Il était à la limite là, du côté gauche. On dit toujours quoi qu'il y a 12 planches de large pour réaliser une réserve à peu près. Bien, vous avez la largeur de la boule de chaque côté. Ouais, et la largeur du caoutchouc. Une autre largeur de boule. Trois largeurs de boule. Donc, on parle de quoi? 15 pouces. Oui, c'est ça. Donc, en principe, la zone est quand même intéressante. Et là, bien, Jean-François était dans ses derniers retranchements. L'important, c'est d'avoir le bon angle d'entrée. On doit rebondir tout de suite là, pour Mario Desmarais. Tire, c'est mince du côté gauche. Un peu déçu d'avoir raté la réserve auparavant. C'est pour ça que les joueurs, quand ils s'exécutent, une chose que je leur reproche beaucoup, c'est qu'ils tentent jamais les réserves. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est pas important, mais selon moi, c'est la chose la plus importante qu'il y a. Oh là, c'est fait ravir. Je ne sais pas si on peut revoir le dernier tir, mais vous voyez la quille 5 qui est passée là. On n'avait pas vu beaucoup. Là. Ouais, on a l'effet vélo qu'on appelle, on dit souvent en langage de quille, un bicycle. Et regardez bien, là, surveillez la quille 5 sur ce tir derrière, là, celle qui est derrière la 1. Elle passe à côté. Juste ici. Ouais, elle aurait pu l'accrocher en passant, mais ça n'a pas été le cas là, pour... j'ai dit la quille 5, c'est la quille 1 dans le fond, là, qui est passée tout droit. Ici, le lancer un des lancers les plus importants du match pour Dave Duchesneau. Avec un bon lancer ici, il peut prendre une bonne option. En quête d'un troisième à ça va être bon, ça. Ça va être bon, ça. La BAC est inscrite. Ça va être bon, ça. C'était haut, mais il avait le bon effet de boule ainsi que la bonne entrée. Alors, possibilité là, de 35 quilles d'avance, 34 quilles d'avance pour Dave Duchesneau avec ce triplé. C'est lui là, qui met la pression présentement sur le champion Jean-François Consigny et sur l'autre aspirant, Mario Desmarais, qui s'exécute présentement sur la 5. Tire, là, c'est complètement au centre ici. Deuxième carreau de suite qui sera ouvert là, sur l'allée numéro 5. Les bonnes épaules, Jean-François, pour sa grandeur, sa grosseur aussi. On voit que c'est un bon athlète. En quête d'un premier rabat dans ce match. C'est bon, ça. Là, je pense que la... Ouais, voilà. Ça, c'est le lancer qu'il a effectué régulièrement là, au cours des deux ou trois dernières semaines sur l'allée numéro 4. Une chose que je peux admirer et que tout le monde devrait voir chez Jean-François, c'est que jamais il va lâcher. Jamais. Fait que, un bon message pour Dave. Bien. Sûrement que Dave le sait parce qu'ils proviennent tous les deux de la vieille capitale. Donc... Dave, si tu veux si tu veux pas que Jean-François vienne te chercher, continue. Quatrième de suite pour Dave Duchesneau. Ça a passé inaperçu, mais j'ai mentionné au début qu'il avait réussi 2-16, 2-26 dans des défaites. J'ai dit que peut-être un 2-30 pourra lui procurer la victoire. Peut-être que nous allons assister à un autre simple de 230 dans cette émission. Mais en tout cas, depuis le début de nos quatre dernières semaines, le plus haut simple a été réalisé par un jeune homme de 12 ans. Ouais. Il s'appelle Kevin Lebel du Salon Saint-Pascal. 235, ça s'est passé là, au cours de notre premier match aujourd'hui. Et il a fait la barbe à tout le monde et il a réussi la plus longue série d'abats, 7, du 5e au 11e carreau. Je ne sais pas si Dave va maintenir le pas, mais c'est le meilleur début de match depuis qu'on est ici. Ouais. Jean-François ne lâchera pas, Jean-François. C'est sûr qu'il ne lâchera pas. Tu veux le battre, tu as besoin de travailler parce que lui, c'est pas un lâcheux. Dave Duchesneau en quête d'un 5e abat de suite. Réserve au premier carreau, puis 4 abat de suite. Dave, qui est père de 2 enfants, Marc-Olivier, 3 ans et demi, Samuel, 1 an et demi. Un petit peu plus rapide comme démarche cette fois-ci. Attention, ça s'en va au centre. Un peu plus rapide comme démarche ici. C'est l'écart.
Voyez-vous, sa démarche était un soupçon plus rapide d'arriver à la ligne avec une légère perte d'équilibre. Le lancer, au lieu de terminer son bras vers la 1, a terminé un peu vers l'extérieur. Et la boule est trop dans le triangle. OK, 6 et 7. Et là, ben, là-bas qui est réalisé par Mario Desmarais, là, qui... Et Mario aussi est capable de grandes choses. Il est capable de revenir avec une série d'abats. Ici, on ne doit jamais laisser traîner des quilles comme ça. Non, mais là, on a tenté de récupérer la réserve. Alors, on est allé un petit peu plus du côté droit en espérant être capable de récupérer la 7 de l'autre côté. Ce faisant, bien, on se met en danger de rater la 6. C'est ce qui est arrivé. Exactement. Ce que François Lavigne disait toujours, et c'est quelque chose d'important que les gens pourraient retenir à la maison, c'est joue ton carreau, ramasse le bois. Ramasse le bois, les gens pourront... Ça, ça ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ramasse le bois, ça veut dire que quand tu as un mauvais bris, ramasse tes quilles. Ramasse tes points. Troisième abat de suite pour Consigny, qui est en train de revenir dans ce match-là. Là. Il revient à 9 points dans le match et ça prend un abat ici à Dave pour... Sinon, Dave pourrait tomber en arrière. C'est un mauvais lancer là, du côté gauche. Et sentir bien, malgré que la quille 6 est tombée là-dessus. Et donc... c'est... Le problème, c'est sa démarche. Dans les deux derniers carreaux, il a marché beaucoup plus rapidement que les autres carreaux auparavant. Donc, il ne peut pas... Son bras ne peut pas être coordonné avec ses jambes. Et il en souffre dans le contrôle et dans la vitesse du lancer. Attention. Coupé. Là, c'est coupé par en plus... Oh, là, ça va pas bien pour Dave Duchesneau. Là, tout vient de s'écrouler dans les deux derniers carreaux et Jean-François Consigny là, peut revenir dans ce match. Et même Mario Desmarais, pas tellement loin non plus. Là. C'est un sport de confiance. Hein? Tous les sports d'habileté sont basés sur la concentration, la coordination et la confiance. Et quand ça va bien, notre confiance grandit. Quand ça commence, quand on lance une mauvaise boule, bien, la confiance peut descendre dans nos talons très rapidement. Alors là, avec un abat ici, Jean-François Consigny là, va prendre les devants dans ce match. Ça traverse bien du côté gauche et... Oh! Un retardement. Oui. Quatrième de suite, là, il a répondu aux quatre abats de Dave Duchesneau. Réserve de l'autre côté pendant qu'on revoit en reprise. 2.32 est toujours possible pour Dave, mais il se doit de se remettre au travail. Oui, parce que Jean-François peut jouer 2.45. Là. Se concentrer une boule à la fois. Un lancer à la fois. Un pas à la fois. C'est bon, ça. Non. Plus rien ne va. Je croyais que son lancer était pour deux fucus du côté gauche, mais non. Demeurer en plein centre. Alors, écart, réserve coupée et maintenant troué pour Dave Duchesneau en trois carreaux. Tout vient de s'écrouler. Ouais. Et si ça continue, Mario va peut-être le rejoindre aussi. Ouais, la BAC est inscrite par Mario qui peut encore espérer un 197. 150 maintenant au huitième pour Dave et Jean-François Consigny là, qui, au quatrième carreau, affichait 43 quilles de retard. Le lancer du match ici. A déclenché une série de quatre abats. Le lancer du match avec un autre abat, avec un pointage de 9 au dixième, ça assure la victoire. Oui, parce que là, on est à 210 possibles pour Dave Duchesneau. À travers du côté gauche. Et voilà, la banque est inscrite. Cinquième de suite pour Jean-François Consigny qui s'approche de la victoire. Ah oui, il a déjà assuré 185. S'il lance la première boule avec un pointage de 8, ça lui fait 24-209. Ça lui prend 8 avec le premier lancé et une quille par la suite. C'est la victoire. Mais c'est pas terminé encore. On sait qu'une trouée est possible ici. 197 possible pour Mario Desmarais. Alors, quand Dave Duchesneau va revoir le match, il va se demander, là, il y a eu un espace là, au 6e, 7e et 8e carreau où tout s'est écroulé pour lui. Mario, quand son épaule droite arrive un peu vers la gauche, il est formidable. Quand son épaule droite ouvre vers la droite, il a toutes sortes de problèmes parce qu'à ce moment-là, son bras s'éloigne. Il doit revenir, ramener la boule, et c'est pas la bonne chose à faire. Alors, avec un abat ici, même un pointage de 9, ce sera suffisant pour Jean-François Consigny. Attention! C'est dangereux. Oui! Voilà, c'est fait! Jean-François Consigny remporte une cinquième victoire de suite.
Et il peut nous présenter le plus haut simple. Ça lui prend un autre abat ici pour battre la performance du jeune Lebel. Il sera de retour comme champion l'an prochain à RDS dans la série Québec-Quille. Il ne sera pas de retour la semaine prochaine, mais là, on voit le tableau. Là, c'est confirmé, sa cinquième victoire de suite. Guillaume Thomas en a remporté 4. Mathieu Fafard et Philippe Bernier, 3 chacun. Alors, consigné là, qui pourra se dire, qui pourra se vanter d'avoir remporté le plus de victoires cette année dans la série Québec-Quille. Et là, il est en quête d'un 7e abat de suite. C'est mince, cette fois, du côté gauche. Et K5 qui va demeurer sur place. 2,34 est possible. Donc, alors, le plus haut simple, ça prend. Ne battra pas le jeune Kevin, oui. Ouais. Et il savait, il a voulu le... Et où son épaule vers la droite, la boule partie vers la droite revient un peu trop haut dans le triangle. Alors, 192, le pointage final pour Mario Desmarais. Voilà qui... 2,34. ...complète le travail avec 2,34. Alors, c'est son meilleur excellente simple, performance. Depuis que nous sommes au Salon de Quille champion. Et là, ben, Dave Duchesneau qui va tenter de compléter avec la deuxième position, mais ça ne sera pas possible. Alors, lui qui menait après 5 carreaux avait... Et par une très bonne marge à part ouais, ça. Il menait par 31 quilles sur Consigny et menait par 49 sur Desmarais. Mais va finalement terminer ce match-là en troisième position. Alors, vous voyez comment les trouées, les réserves coupées, ça ne pardonne pas. Il devra, dans son avenir, trouver une façon de contrôler ses émotions dans sa démarche. Et le jour qu'il va trouver ça, croyez-moi, ce jeune homme, M. Dave Duchesneau, va remporter plus que sa part de victoire. Alors, ça se termine avec un pointage de 190. Lui qui avait 126 après 5. Alors, voilà la différence, hein? 64 points dans les 5 derniers carreaux, 126 dans les 5 premiers. Voilà le pointage final de ce match. Jean-François Consigny qui remporte une 5e victoire de suite. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec-Quille à l'antenne de RDS.